Donc, vlog numéro 2, deuxième partie. Désolé, ça a coupé, j'avais plus de batterie, j'ai pas fait attention. C'est de ma faute, j'aurais dû vérifier ma batterie. Oui, comme je disais, donc heureusement que Cécile a touché quand même la moitié de son salaire, enfin la moitié d'un salaire, qui permet de payer la moitié du loyer, l'assurance de l'appartement, l'internet, les téléphones. Oui, c'est pourquoi. Son téléphone, le gaz, l'électricité, l'eau. Enfin, je crois l'eau, elle est compris avec le loyer, je crois. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce qu'une fois que tu as payé tout ça, sur ces que c'est parce qu'elle reçoit que 500 euros par mois, donc si tu calcules tout ça, et ben il lui reste pas grand chose. En faisant attention, si il lui reste 200 euros, mais sinon, si il y a un truc qui a été plus haut que d'autres, des factures plus haut que d'autres, et ben il lui reste quoi, allez, entre 80 et 50 euros par mois. Donc voilà. Donc imaginez que si moi j'aurais si moi qui m'amuserais à tout payer avec mon salaire de 1200-1300 euros par mois, je crois qu'il ne nous resterait pas grand-chose. Franchement, si tu fais tout le calcul, même si tu élimines tout ce qui est nos actions, les petits plaisirs du quotidien, les restaurants, le machin. Même avec ça, je crois qu'il me restera vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose pour vivre. Voilà. Donc heureusement, heureusement que d'un côté, heureusement que Cécile a touché de l'argent et qu'on puisse au moins arriver, que malgré tout, à s'en sortir jusqu'à la fin du mois. Voilà. Après, le jour que j'étais endetté, normalement, j'aurais pas dû être endetté. Et en plus, c'est tombé le jour de mes vacances, mes 2 semaines de vacances, malheureusement. Et les sous qui m'étaient accordés pour mes vacances, et ben c'est le trésor public qui est tombé dessus. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans une merde vraiment phénoménal parce que j'avais plus du tout d'argent, j'avais pas d'argent de côté et puis voilà. Donc bien sûr après j'étais pas dans l'obligation de vous raconter ma vie privée. Je l'ai fait parce que j'ai une très bonne communauté, j'ai confiance en cette communauté, j'apprécie énormément cette communauté. Vous savez bien que moi je dis jamais non, je dis toujours oui. J'aime tout le monde, qu'il soit con, pas con, bête ou pas bête. Moi, j'aime tout le monde. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de raconter ma petite histoire d'entêtement. Et bien sûr, voilà. Par un deuxième Noël, ben voilà, les gens ont décidé de m'aider tout simplement. Or que je vais peut-être me répéter, mais j'ai strictement rien, rien, rien demandé. J'ai juste raconté mon histoire, voilà, comme quoi je me suis retrouvé dans la merde et tout. Mais j'ai strictement rien demandé à personne. Voilà, c'est la bonne volonté de ma communauté qui ont décidé eux-mêmes de m'aider et sans rembourser quoi que ce soit. Voilà, plusieurs, chaque fois j'ai demandé,
personnellement et en privé, comme quoi que s'il y avait possibilité de rembourser, mais que c'était pas tout de suite, mais bon, que je rembourserais petit à petit. Et en aucun cas, il n'y en a aucune ont voulu que je les rembourse ni quoi que ce soit. Donc voilà, déjà, c'est un très bon. On voit que c'est des gens que voilà, qu'ils ont eu un très très bon cœur. C'est des gens qui, à mon avis, ont déjà vécu des galères, qui savent qu'est-ce que c'est avoir une galère dans la vie, qui savent de plus avoir d'argent, qui savent de qu'est-ce que c'est de ne pas avoir à manger dans son assiette. Et des gens bah, qui ont un gros cœur comme un gros nounours. Voilà, et qui savent remercier une personne, aider une personne grâce à ça, un peu comme des dons, voilà, comme des dons que j'ai reçus, des dons, des colis, voilà. Donc, voili-voilou pour ça. Donc, encore une fois, je remercie vraiment, vraiment, vraiment tout le monde qui m'ont aidé. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est prévu que très, très, très bientôt, vous aurez un petit cadeau de ma part, de toutes les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont envoyé des colis. Bien sûr, ça ne sera pas grand-chose, mais j'en ai parlé à Cécile et Cécile, elle est d'accord. Donc, de ma part et de la part de Cécile, donc les personnes qui m'ont dit, donc ils recevront, je dis pas maintenant, ni demain, ni après-demain, je dis bien, ils recevront un petit cadeau de ma part, en espérant que, bien sûr, ça vous fera plaisir. Voilà. Je crois sur ça, c'était tout, hein. Je regarde entre-temps. Non, je crois que c'est tout. C'est juste tout sur ça, sur cette chaîne-là, enfin sur cette vidéo-là. Bon, après sur les autres, bon, j'ai pas trop été dessus. Parce que là, on change de sujet. Certaines vidéos, bah, j'ai répondu à vos commentaires. Donc, j'ai pas tout fait. Je me suis un petit peu laissé aller, entre guillemets. Donc là, j'essaye de petit à petit, toutes les vidéos que j'ai mis depuis 3 semaines là. Donc j'essaye de répondre à vos commentaires, à tous. Donc bien sûr, il y a eu des personnes qui ont été bloquées pour des commentaires un peu merdiques, quoi. Un peu loufoques. Donc bien sûr. C'est pas moi qui les a bloqués, c'est Cécile. Elle a estimé que voilà que qui devait être bloqué, tout simplement. Donc bientôt, je vous ferai une petite vidéo aussi de budget petite souris. Très bientôt. Je vous ferai une vidéo de. Donc, c'est pareil, hein, c'est pas aujourd'hui, pas demain, ni après-demain. J'ai dit, je ferai une vidéo. Des plats, les prix des plats cuisinés. Donc j'irai soit à Carrefour ou à Leclerc et je vous filmerai que des plats déjà tout faits pour voir à peu près
ce qu'il y a et au niveau des prix. Est-ce que c'est abordable ou éventuellement, comme Clara a dit, que ce n'est pas abordable, qui veut dire les plats sont trop chers. Donc je vous ferai une vidéo spéciale que sur ça. Donc il est... Oh putain, il est déjà 19h. Ça passe vite. Ça va vite, vite demain, dimanche. Ah, j'ai l'œil qui me gratte. Pas vendredi, mais j'ai eu mal à l'œil. Ça m'a... C'est en coupant le plastique autour d'une palette. Je sais pas, il devait être super bien tendu. Que quand j'ai coupé, il y a la pointe du truc du plastique que je me l'ai pris dans l'œil. Ça m'a fouetté. On avait l'impression que j'avais reçu un truc dans l'œil. Toute la matinée, toute la journée, j'ai eu mal à l'œil. Et apparemment, bah, ça s'est passé. J'ai plus bobo à mon œil. Donc aussi, vous êtes aperçu que, bien sûr, je n'ai pas fait de toute la semaine de vidéo de course. Donc, je suis content. Je suis content de nous parce qu'on a réussi à rester sans faire de course. Bien sûr, à part la boisson et le lait. Mais sinon, pas des grandes courses qu'on fait à chaque fois, tous les jours. Donc, on a réussi à tenir toute la semaine. Donc, voilà. Donc, bien sûr, je ne sais pas si je pourrais le faire tout le temps. Mais on va essayer de faire de temps en temps. Voilà, une semaine sans course, une semaine avec des courses. On va essayer, je dis bien, je vais essayer. Donc là, c'est vraiment une toute première. C'est vraiment la toute première fois que je reste une semaine sans acheter de course. Comme je dis, bien sûr, encore une fois, mon lait et ma boisson. Puis voilà. Voilà. Donc là, Cécile a fait la vidéo de la Viva 2 Dog. Non, la Viva. C'est pas la Viva 4, mais la Viga Box. Ainsi que la du Gaston Box qu'elle a fait. Donc vous avez deux vidéos en plus sur sa chaîne à Cécile. Et il y a un abonné qui a dit ouais tes rideaux sont à l'envers. Et ben non, non. Je sais pas où t'as vu que mes rideaux ils étaient à l'envers. Ils sont bien. Ils sont bien bien mis là où il faut, là il faut. Donc après, si tu vois des queues en l'air, or qu'ils sont censés être en bas, donc c'est pas moi qui a fait le dessin sur les rideaux. Donc comme tu vois, tu as des queues en bas et tu as des queues en l'air. Donc voilà. Donc c'est sûr que normalement les queues sont en bas. Donc après, si tu vois dans les dessins plus en hauteur que les queues sont en haut, j'estime que je pense que c'est normal parce que vu que c'est en hauteur, donc ils ont voulu faire les cerises avec la queue en haut et les dessins qui sont en bas, ils ont vu que c'est le bas, donc ils ont fait les dessins avec la queue en bas. Wally, wallou. Donc par contre, là c'est sûr que tout en bas, donc bien sûr ils ont fait les queues en haut. Donc, alors qu'ils ont dû faire, c'est vrai, ils ont dû faire les queues en bas avec les petits morceaux de chocolat. Ça me donne envie, ça. Donc, voilà. Donc, non, mon rideau n'est pas à l'envers. Il est bien à l'endroit. C'est juste les dessins qu'ils ont fait, qui sont comme ça. Voilà, tout simplement. Voili, voilou.
Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire pour ma défense? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour ma défense? Donc c'est vrai en ce moment depuis le mois de juin, mai, depuis le mois de mai, juin, juillet. Nous, les youtubeurs, youtubeuses, c'est vrai en ce moment, on a que des merdes. Depuis 2 semaines, là, je regarde des vidéos et j'entends, ouais, on a eu des merdes, on a eu ci, on a eu ça. Donc je sais pas qu'est-ce qui nous arrive, nous les youtubeurs, pour avoir autant de merde en ce moment. Mais il faut que ça change. Pour moi, il faut que ça change. Parce que c'est pas normal que d'un seul coup, on se retrouve vraiment qu'avec des problèmes. Donc je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, nous les youtubeurs, je sais rien. Il doit y avoir un démon qui est sur nous en ce moment. Nous les youtubeurs, qu'on a du mal à remonter la pente. Donc c'est un peu chiant quoi. C'est un peu chiant les problèmes qu'on a. Oh, Ellie. Donc bah voilà. Tiens, il y a une nouvelle youtubeuse. Or Ellie. Est-ce que quelqu'un connaît la youtubeuse Or Ellie? Or comme l'or et Ellie E2LY. Apparemment, bah, elle est un peu comme nous, fait des hauts l'action. Ouais, elle fait beaucoup de haul action. Attends, je vais aller voir, faire un petit tour sur sa chaîne. Je vais baisser un peu le son. Ah, c'est quand même une grande youtubeuse quand même. Ah, je la connaissais pas du tout. Apparemment, c'est une grande youtubeuse. Elle fait quand même du 33 898 vues, des 2200 pouces bleus. Donc à mon avis, c'est une très très grande youtubeuse. Donc on va voir un petit peu dans ses vidéos. Bah, fait beaucoup de big haul, fait beaucoup de actions, a fait des vlogs. Déjà, il faudra que je regarde dans ces cas ces vlogs. Elle fait beaucoup de make-up, donc c'est bien pour les personnes qui font des make-up, qu'ils aiment regarder ça. Fait des essayages de vêtements. Mais cool, ça prépare le printemps. Donc je vais regarder. Après, faut voir. Faut voir si. Je pense que je peux que aimer parce que comme il y a beaucoup de. Elle fait même des trucs du TikTok aussi. Apparemment, elle est sur TikTok. Ah non, je réagis à vos vidéos TikTok les plus drôles. Donc ça peut être sympa aussi. Ça a l'air d'être pas mal, je pense que ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal, je vais aller voir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle Or Ellie, sa chaîne.
Donc voilà. Donc on vient juste de m'en apercevoir, parce que ça vient juste de se mettre sur mon truc. Donc pour l'instant, de ce pas, je vais m'abonner. Accueil. Voilà, pour l'instant, je vais m'abonner. Voilà, je m'abonne. Voilà, à Or Eli, ça y est, je me suis abonné. Et voilà. Et je verrai bien, je vais regarder, je verrai. Je vous dirai mon contenu, si j'aime bien ou j'aime pas, ou c'est quelqu'un qui fait trop de chichi, ou c'est quelqu'un qui se prend trop la tête. De toute façon, au bout d'un moment, à la force de voir la vidéo, bah, tu vas le voir. Hein. Apparemment, c'est. On a des enfants aussi. Ah, ça me gratte. Donc voilà. Je sais pas, pichi papa, c'est pas pou. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah, ça y est, bah, je crois que j'ai tout dit. Hein. J'ai tout dit, hein. J'ai tout dit, j'ai tout dada. Marrant, il me met des gens que j'ai jamais vus, je connais même pas. C'est nouveau ça. C'est des vidéos sûrement comme moi qui les ont mis à l'avant. Coloring Blinds. Ah, elle a une ressemblance avec Miss Gazelle, cette dame là. Ah, c'est dingue. C'est incroyable. C'est incroyable comment ils se ressemblent. Bon, voilà, que quoi dire d'autre? Bah, pas grand-chose, hein. Je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Donc, demain, bah, je sais pas. Demain, je pense qu'on va sûrement aller à Euro Disney. Mais pas pour aller dans le centre Euro Disney. Enfin, pas dans le truc lui-même. On va juste se balader au contour. Plus sur côté Disney Village. Parce que ça y est, j'ai vu sur internet qu'en quoi que l'hôtel qui a été fabriqué depuis presque bah, pas loin des 2 ans quand même. Hein. L'hôtel Marvel qui a ouvert ses portes. Et comme moi j'aime bien tout ce qui est Marvel et tout, je sais il y a certains abonnés ne vont pas trop aimer la vidéo parce qu'ils n'aiment pas du tout tout ce qui est dessin animé, Walt Disney, Marvel. Malheureusement, voilà, c'est leur choix, hein. On a tous un choix. Hein. Donc comme je disais, oui, on va aller voir ça. Donc on va aller pas trop tard demain matin. Donc si on se lève pour 9h, 9h ou 10h, après tu me diras, on a tout l'après-midi. Hein. Mais si elle n'a pas envie de rentrer trop tard, sachant que moi lundi je bosse aussi. Donc voilà, on peut parler de bonne heure. Bah, quitte à manger un petit sandwich là-bas à Disney, regarder un petit peu les magasins. Et si vraiment il y a un truc vraiment, mais vraiment, 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 vraiment pas cher pour ma petite collection de Disney, je le prendrai. Mais selon aussi les sous. Normalement, c'est bon. On n'est pas dans la mer, c'est bon. On est tranquille. Donc voilà.
Bah quoi dire d'autre? Bah je crois que c'est tout. C'est tout, c'est tout, hein. C'est tout. Donc je pense que on se samedi 17 juillet à 19h10. Je vais faire un petit live, pas trop long, pas trop court. Pas trop long, pas trop court, ouais, pas trop long. Parce qu'après, faudra que j'aille chercher Grec. Parce que ce soir, je ne fais point à manger. Cécile ne fait point à manger. Donc ce soir, c'est Grec. Voilà. Et demain, il y aura une vidéo sur le miam miam maison. Il y aura un plat maison demain, fait avec mes petites mimines. Et bah voilà, pas du tout. C'est tout. Donc là, les chats ils dorment. Blacko, Mao aussi dorment. Ils ont mangé, ils sont partis faire un gros dodo. Moi, je vais grignoter un petit truc. Je sais pas quoi, je vais grignoter un petit truc parce que je commence à avoir la dalle. Donc, je vais grignoter un machin. Et bah voilà, hein, je crois que c'est tout. Hein. Ah oui, j'ai encore oublié les chips. Oh là 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 là. Il faut. Je sais pas quand. Peut-être demain matin, je crois que je vais aller chercher de la boisson. À moins qu'on ne, on n'entame pas celle que j'ai achetée là. Et on le garde pour demain soir. Puis voilà quoi. Voilà. Donc bah voilà. Sur ce, bah, je sais plus trop quoi dire. Je crois que j'ai fait le tour du pâté de maison. Donc désolé, hein, c'est fait en deux parties. Hein. C'est de ma faute. J'aurais dû vérifier ma batterie. Je n'ai point regardé. Et bah, c'est pour ça, vous aurez ce vlog en. Malheureusement en deux parties. Puis comme vous avez vu, j'ai mis mon plus beau des maillots. Voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas et d'autres qui aiment. Donc il y en a qui le trouvent vraiment un peu serré au niveau du corps. Je le trouve aussi, mais pas à tel point vraiment serré, serré, serré. Il est quand même, il y a quand même, oui, hein, il y a quand même de la marge. Et du fait qu'il est quand même un peu élastique, c'est un maillot quand même, vous voyez, hein. Je le sens, je tends, toc, donc il est un peu élastique, donc on ne le sent pas trop qu'il soit trop, trop, trop serré. Je suis à l'aise, je suis bien, je me sens pas du tout serré dedans, donc je pense que tout est bien, qui finit bien. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Je vous fais des gros gros bisous. Donc si vous avez aimé ces deux petits vlogs séparés, donc n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et je vous fais de gros gros bisous et à une prochaine petite vidéo de vlog. Je ne sais point quand. C'est selon mon cerveau qui va me dire ce qu'il y a, si on doit faire ou pas. Et c'est selon. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une tige qui est partie. Et c'est selon mon humeur. Donc voilà. Donc je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis ciao ciao. Ciao les loulous. Et à la prochaine. Bisous bisous.